Salut à tous, c'est Alisa. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Diablo 3, la dernière de cette saison 15. Vu que la saison 16 commence le 18 janvier, si je dis pas de bêtises, je regarde ça, vendredi 18, voilà. Donc on est sur la dernière ligne droite de cette saison et on va essayer de valider la 95 avant la fin. Ça serait ma foi pas mal du tout. Au niveau du classement, où est-ce qu'on est situé? Ça a dû changer, hein. 94, 13, 40. On est où? On est là, 651e, ma foi, c'est plutôt pas mal. Et si j'arrive à valider une 95, je passe dans les... au-dessus de 600. Ok, on n'en était pas loin. 25 secondes là... précédente fois. Alors qu'est-ce qui a changé? Bon, à part mes points de parangon, j'ai mis un petit Caldessan ici, 77, sur la Rose des Vents. On va voir si ça suffit, si ça passe. Alors, je vérifie que mon équipement est bien prêt. Et on va y aller. 95. C'est parti, première tentative, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a une bonne faille ou pas? Ça, c'est la question éternelle. Ah, il est mort avant. Ouh! Allez, mourez. Surtout toi là. C'est plein de monstres, mais il n'y a pas d'élite. Un petit peu, qu'est-ce qu'on a par là-bas? C'est bien peuplé, mais pas de ce que je veux. Moi, si, ah voilà, ça par contre, ça me va. Si vous vous joignez à la fête, ça serait nickel. Alors, on va faire venir ça par là. Calmer un petit peu, s'il vous plaît. Wow! Ah, il m'a fait proc mon passif. Très bien. Et pourquoi je reste là-dedans? Chercher l'erreur. Il va me saouler avec ça, lui. Elle est pas terrible, terrible hein, pour le moment. Je pensais pouvoir profiter un peu plus de... des packs de monstres. Malheureusement, c'est pas trop le cas. Mais non, mais toi, les amène pas là-bas aussi. C'est débile. Fais-les venir ici. Bon allez, on avance. Il y a un élite qui est là-bas.
Parfois ça me va aussi si tu viens là. Le tout, c'est que je reste pas dans leur chaîne. Ils sont sérieux quand ils me font aussi mal que ça. Je suis caché derrière le poteau. Non, vous n'êtes pas censé pouvoir m'attaquer derrière le poteau, ok? Non, ne cours pas dessus, merci. C'est gentil, je m'en passerai. Ah, il y a double élite, d'accord. Ah, ok. J'ai pas fait gaffe à ce détail. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, allez, crève. Parce qu'on prend un petit peu d'avance. Ça reste léger. Là, autre chose aussi. Très bien. Voilà. Ok, tu les amènes là. Bon, faut arrêter de me bouger, messieurs. Voilà, alors toi, c'est mort. Allez hop, c'est mort. On avance. Qu'est-ce qu'on a là? Conduction. Ah, ça c'est. Ça c'est une petite aubaine. Ça, c'est plutôt positif, ça, même très positif. Allez, on continue. C'est pas fini tant que c'est pas fini. C'est quoi? C'est non, c'est pas un élite là-bas. On s'en fout. Laisse-moi tranquille. Ça, ça fait mal par contre. Faut que je me méfie de ça. Faut voir que je fasse gaffe à mon positionnement. En plus, ça se TP, très bien. Allez, hop. Ah, et ça me ça fait super mal les trucs là. Je suis obligé de reculer avec tous ces. Oh, le petit lag. J'essaie de me sortir de la zone. Faut venir par là, vous là. Merde. J'ai fait le con à vouloir être trop offensif. Putain, ça veut pas mourir. Hein.
faut que je fasse gaffe à mon... À mon passif. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? Cul-de-sac? Non. Une plateforme, c'est plutôt bon signe. Par contre, il n'y a pas d'élite sur cette plateforme. On va temporiser mon passif ici. Allez, on continue. On est bientôt à la fin. Ça m'intéresse pas. Ça, par contre, ça m'intéresse. Mais on n'a pas grand monde. C'est moi où il est dit à l'aide. La dernière cible. Allez. Un pylône de vitesse, très bien. Ah, ça c'est nickel par contre. Ça a tapé fort. Putain, je me prends des dégâts de je sais pas où. Ah, ça va être la foudre. Faut que je fasse super gaffe. Je prends Bagdad. Il y a moyen que... Ouais, laisse-moi tranquille, toi. Il y a moyen que ça soit le dernier. C'est ça. Oh non, pas lui. Il va me faire tellement mal. En plus, tant que j'ai avec mon passif, c'est la loose. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Oh, il est horrible lui. Laisse-moi tranquille, j'ai dit. Je suis obligé de courir pour pas prendre. C'est faisable. Si je meurs pas, ça le fait. Faut pas que je meure. Et voilà, 400, 485. Putain, moi je m'attendais à être dans les 598.
Nice. La petite 85, 95, pardon, validée. 485. Honnêtement, pour finir la saison, c'est plutôt pas mal du tout. Et du coup, ça, je le montrerai jamais. Par contre, on va tout claquer là-dedans. Honnêtement, ça fait plaisir. Une petite 95 validée pour cette fin de saison. Ma foi, je suis satisfait. Voilà, dans le classement, pas mauvais. Je suis dans la partie supérieure. Je suis pas dans le top classement, mais honnêtement, je suis satisfait du résultat de mon féticheur que je vais garder en hors-saison une fois terminé, qui remplacera mon petit personnage et Parangon 1000 en même temps. Voilà, pratiquement autant que mes Parangons en non-saisonnier. Donc voilà, ce petit féticheur va aller rejoindre mon équipe de personnages hors-saison. Et voilà, il va être l'un des rares pour le moment à pouvoir faire une 95 avec mon barbare, mais lui qui est en extrême. Bon, et bah voilà, plutôt satisfait. Cette 95 validée, une bonne fin de saison, une saison en règle générale qui s'est plutôt bien passée, malgré une certaine lassitude vers la fin. Impossible de récupérer un équipement plus intéressant. À part farmer pour les gemmes, c'est devenu un petit peu relou. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et 95, moi, ça me va avec un Parangon 1000. C'est nickel. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette saison 15. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir de futures vidéos Diablo 3. Semaine prochaine, on va parler du patch hein, qui devrait arriver courant de semaine prochaine, j'espère, mercredi, avant la saison 16, enfin avant une semaine avant la reprise de la saison 16, histoire de pouvoir tester. De toute façon, dans tous les cas, on se retrouve samedi prochain. Je vous parlerai de mon prochain personnage en saisonnier, ce que je compte faire, quel build je compte jouer, etc. Donc je vous présenterai tout ça. Et puis après, on va se lancer dans la saison 16. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.